qui est plus qu'approximative. Ok. Pouf, pouf. Alors, on en était où? Ah oui, mais toi, tu as... Mais JP, toi, tu as... T'as déjà retourné le jeu à l'époque, c'est ça le truc? Merde. Merci Mandragore pour le Prime, merci pour les 11 mois de soutien. Petit con. Sacré petit con ça. Tu connais par cœur, ouais d'accord. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'en ai plus le moindre souvenir. Alors attends. Ok. Ah oui, il faudrait peut-être descendre dans la partie qui est là, là. Attends. C'est marrant à quel point des fois il y a des... Ah oui, ça, on n'y était pas encore allé. Je peux pas pousser ça. Une serrure. Serrure cyclope. Ok, donc ça, on peut rien faire. Des pièges. Ouais, il y a des lags assez désagréables, effectivement. Quoi? Ah putain, il y avait un prank! J'hallucine. This was a prank. C'est qui ça? Yo! Bien le bonjour, cela peut sembler incroyable, mais avant je vivais au château. Cependant, j'ai dû m'enfuir quand mes gardes ont été ensorcelés. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien écouter ma requête? Il y a une belle récompense à la clé. Je me suis enfui. J'ai laissé mes feuilles d'or au château. Pourrais-tu me les ramener? Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Moi, j'aime bien tout ce qui est side quest. Il y a 5 feuilles en tout pour me faire un gros pétard. Pense à acheter une pelle avant de revenir me voir. Ok. Vous avez inspecté la commode. Elle est très jolie. Yes! La quête FedEx, non, pas du tout. Bah après, tu sais, j'y ai joué que hier. J'en ai fait 2h30, 3h, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ville? Ok. Château, canyon, 10 minutes. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, on est là. Là, on est là. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. On peut pas aller en bas. Bah non, il y a des arbres. Bon, attendez, on va continuer à se balader. Ah d'accord, il y a un slot là à gauche. Prairie ou clou. Ok. Là, l'eau. Est-ce qu'on était allé là? Je suis pas sûre qu'on était allé. Tu peux mettre des marqueurs sur la carte. Ouais, mais bon, enfin, je... Ouais, non, je m'en fous, en fait. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais... J'en vois pas d'utilité, on va dire. Ah, c'est lui, les Wadans. Et là, on pouvait aller ou pas? Ah oui, du coup, on est de l'autre côté de ce truc. Petit con. Ok. Alors, à quoi ça me sert d'être ici? Pas grand-chose, hein, je pense. Merci à Taipo et Delgame pour les follow. Merci à vous. Soyez les bienvenus. Bonjour Australia. Oui, ça va et toi? Comment vas-tu? Je sais jamais quoi dire aux gens qui arrivent et qui disent bonjour, ça va. T'as un peu l'impression qu'ils t'agressent en fait. Ça va, j'ai un peu la gueule de bois, mais ça va. Tout va bien. En fait, tu sais pas si c'est une politesse ou s'il faut raconter toute ta vie très rapidement. euh,
Mais y a pas de souci. Mais ça va en tout cas. C'est pratique pour se rappeler des coffres ou des cœurs que tu as. Ah oui, mais que tu peux pas encore atteindre. Ok. Je quitterai le stream quand tu entreras dans le donjon. Ok, c'est là que j'ai quitté le jeu hier. Ok. Il est agressif, lui, hein. C'est quoi, ça? Je crois que j'étais déjà allé, ça. Cric, bubu, cric, clic. Pépère à mollo, hein, pareil. Tu veux des bananes? Alors parle de nouveau aux gens du village. Mais quoi, quel village? Le premier? Salut, Zeskis. Merde. J'aime trop ces petits yeux qui dépassent, là. Comment je peux faire pour retourner rapidement au début? Il n'y a pas de téléport dans ce jeu. Hein. Je suis en train de me dire, peut-être qu'on peut visiter... Attends, au sud, là. Cric. Je suis jamais allé ici. Tu es passé devant tout à l'heure. Ah merde, il y avait des téléporteurs. On peut pas nager, on est d'accord. Si je vais là, je vais mourir très vite. Et ça, je peux pas l'ouvrir non plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pour aller là-haut, je suppose. Ah bah ça, je suis jamais allé ici. J'utilise le surf de low class, mais j'ai pas encore ça. Je pense que je sais pas ce que c'est donc. Ok. Et là on est où? Ah ok, donc là on a une lock la partie sud. Et on va pouvoir du coup retourner sur la gauche. Ok, super. Fragment de puissance. Ok. Ah merde. Bien la peine d'avoir de la puissance. Qu'avez-vous donc trouvé? Vous sentez une puissante énergie en émaner? Regardons ça de plus près, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Ah, ça, c'est un TP! Ah! Mais un TP pour aller nulle part, du coup. Ok, et là, il y a des trous. Donc, les trous font qu'on va pas pouvoir passer. Alors, attends. Mais là, je peux pas aller dans l'eau? Si? Ah non, pas du tout. Faut qu'il y en ait deux d'activés pour voyager. Ce qui paraît plutôt normal. Critch. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Merci Johnny pour le sub. Merci à toi. Pour le 11e mois, dans 8 d'affilée. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le corbeau du château me semble suspect. Ok. Il me faut des bombes. Mais les bombes, ça coûte cher, c'est ça le truc. Bon, attends, on finit d'explorer cette zone et puis on retourne au premier village. Je pense. 10 rubis? Oh non, ça va, c'est pas très cher. Combien j'en ai en stock de rubis, là? J'en ai... 229. Ah ouais, mais là, il y a des... Ok. Ouais, mais le Yoshi, j'ai déjà essayé et ça coûtait cher pour pas grand-chose, quoi. Ouais, donc là, en fait, on est complètement bloqué. Donc là, on est obligé de faire tout le tour et ça va être très chiant.
Faut repasser par là, repartir. Ok, bon bah écoute, c'est parti. Hein. On va essayer de farmer les herbes. Pour récupérer un peu de... Un petit peu de cœur, un petit peu de rubis. Attends, est-ce qu'on est allé dans la partie droite? Ah, attendez, j'ai l'impression qu'on peut aller par là. Qu'est-ce qu'elle dit, la pancarte? Attends. Village des animaux. Baie de Martha. Ah ah! Ok. Là, il y a un pont à créer. Ok. Ah, mais il y a un truc en dessous, là. Quel drôle d'objet. Peut-être le vous en briser, non? Fonçons dedans. Mais je peux pas courir dans ce jeu. Bon, à mon avis, ce sera pour plus tard. Ouais, pour plus tard, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Bon, donc là, du coup, cette fois-ci, je suis vraiment Keblo. Ok. Donc, c'est parti pour le backtrack absolu. Comment ? Ça, je passe par en haut ou par en bas ? Par en bas. Attends. Si je fais ça, non, si je fais ça, je vais me retrouver bloqué, donc. Par là. Ah, il y a un truc que j'ai pas regardé ici. Au champ des pièges. Et j'étais passée par l'autre côté tout à l'heure. Point, 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 point. Point, 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 point. Waouh ! 30 FPS ! Les chutes de framerate, c'est votre chiant. Ok. Paf, paf. Et ça, c'est quoi alors? Ah, mais ça, c'est un TP, non? Vous sentez une puissante énergie. Ah ah! D'accord. Eh ben, du coup, ça me sert à rien. Hein. Comme on le dit dans le jargon. C'était ça, le TP. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ça... est-ce que je peux passer par là? Non. Alors, par le haut. Ça, je peux passer. Oh, j'adore cette musique. Ah bah ça y est, j'y suis, village des mouettes. Mais non, mais ça va en fait, c'était pas si loin que ça. Ok, allons au shop. Allons au shop. Choper des bombes. Dix rubis. Ah, j'achète. Donc faut que je les équipe avec... Rappelle-toi ce que t'ont dit Richard et Pépé. Absolument pas, non, non, je me rappelle absolument pas. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? Des cœurs? Ouais, mais non. Et la pelle, aussi. Je peux l'acheter, ouais. J'achète! Ok, donc là, on a une pelle, on a les bombes. Donc, fallait bomber un corbeau. Je crois. Corbeau du temple. Ouais, on va voir. Pouf, et pouf, voilà. Comme ça, on est full health. Tout va bien. Qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce qu'il fallait faire avec les bombes? Alors moi, je me souviens qu'il y a une ouverture là, en bas. J'ai essayé d'y aller plusieurs fois. Ah ouais, bah là, j'ai plus de sous, donc le jeu à pince, c'est pas pour cette fois-ci. C'était où déjà? C'était plus bas, je crois. Ou pas? C'était où le truc? Je crois que c'était à droite, non? Ah! Ouais, c'était là. Donc, du coup, on fait ça ici. Paf. Hop. Et du coup, on peut passer. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde? Que ça ne sert absolument à rien. Il t'indiquait où il fallait creuser. Ah, mais je me souviens que le toutou m'avait dit de creuser. Il m'avait dit de creuser à l'est. Ici. Ici, il y a un truc à creuser. Ou là. Si c'est pas là, c'est là. Mais ouais, ouais, ici, il y avait un truc à creuser, effectivement. À peu près. Bah on peut y aller du coup, vu que là il n'y a rien à faire. Hein. Comme ça on va voir à quoi ça ressemble. Quoi, 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 quoi. Ouais, shit. De toute façon, maintenant qu'on a le... Maintenant qu'on a le... l'appel et les bombes, a priori ça va quand même nous ouvrir pas mal de chemin. Ah, et alors attends, du coup, je voulais tester un truc. Ah, wow, ok. Oh, mais d'accord, on peut creuser au pif, ça fait apparaître des trucs. Oh, c'est fabuleux. Oh, ça alors. Oh. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut faire... faire par exemple ça. Ah. Ça. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ah, ah ça, ah ça. Alors, je crois que ce sera la première que je dessine dans le jeu. Quelque part, c'est un peu émouvant. Ça. Ok. Ah. Piqué. On essaye. Ah, merci beaucoup. Enfant perdu, Easyman. Ça marche. Merci à toi pour ton host. C'est très gentil. On est en train de dessiner une beat sur le remake de Link's Awakening. De façon à me faire ban de la communauté. Ah, ah mais on peut pas creuser ici. Ah si, c'est bon. Et ben voilà. Bon écoutez, c'est succinct, mais on aura réussi à dessiner une tonne. Oh, quelque part, c'est pas si mal. Bonjour à ceux qui viennent de chez Enfant Perdu, ici mal. Ok, donc ça c'était good. Et on va retourner tout en haut pour creuser à l'endroit. Ok, donc là on est dans la forêt enchantée. Et si je me souviens bien, c'était
incroyable ça. C'était tout en haut. C'est vrai que le toutou il était craqué en plus, hein. Vu qu'il fonçait sur les ennemis, ça se faisait plutôt pas mal. Ah non, là je suis déjà trop loin. Champignons. C'était pas là. Alors attends, si c'est pas là, ça doit être ici. Tu peux porter des trucs qui parfois gênent le chemin. Ouais, non, mais là, il n'y a rien qui gêne le chemin. Hein. Attends, je vais faire le tour. Ah, c'était peut-être... Putain, c'était où? C'était là? Là? Oh, je me souviens plus. Ah, effectivement, si j'avais su, j'aurais laissé un marqueur. Il me semblait que c'était... De toute façon, faut creuser au pif et voir ce que ça fait. Ah ah ! C'est ça. Coquillage. Ok. Du coup, combien j'en ai de coquillage ? J'en ai déjà trouvé 3 ou 4, non ? Un truc comme ça ? Attends. Inventaire. Combien j'en ai de coquillage ? Ah non, mais en fait... Ils sont où ces coquillages ? Ah si, là ! J'en ai 3, ouais, c'est ça. Du coup, bah, je sais pas quoi faire. Attendez, on va essayer de trouver des indices. C'est une sorte de remake de Oracle of Season et Oracle of Age, ouais. Ouais. J'en reçois jamais de réponse à mes courriers. C'est le drame de ma vie. Putain. Parfait. Du coup... Ouais, j'avais une quête, mais je me souviens plus laquelle. Ah oui, tu disais, il y a un menu qui s'appelle Souvenir. Ah oui, X. Ah, ok. Ok, ok, ok. Alors... Je vais dans un château. J'ai dû m'enfuir quand les gardes m'ont ensorcelé. J'ai laissé des feuilles d'or au château. Mais quel château? Moi, je veux bien, mais... Il n'y a pas de château, quoi. Prairie, prairie, la prairie t'attend. Mais la prairie, elle est où? Attends. Hop. Prairie ou coulou? Le coquillage me dit la prairie t'attend. Ouais... Ah, là, il y a un crâne. Ça, on peut le bomber. On va faire ça, on va aller là. On va aller là en passant par... par où? Je ne sais pas. Par l'est ici? Ouais, on va faire ça. Ouais, on regardera après pour le château. Là, je vais m'occuper d'abord du crâne à bomber, là. Ou à creuser, on va voir. Non, c'est par le haut d'ailleurs. Oh, come on. Je récupère le plus de rubis possible. On sait jamais ce qu'il faudra acheter après. La plaine, ok. Et j'avais dit que je voulais aller... 3 game over de suite sur premier boss. Ah, je crois que j'ai eu... J'en ai eu un aussi. Hein. J'en ai eu deux hier, des game over. Je sais plus exactement où.
Donc là, je traverse en diagonale. Ok. Ça sert à quoi déjà, ça? Ah si, c'est lui. C'est elle. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Ça sera pour... Ah non, mais c'est de la poudre magique. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a le cimetière aussi. Il y a sûrement des trucs à faire. Je creuse pas souvent des trucs. Hein. Faudrait que je creuse. Je crois que c'est un de mes ennemis préférés en fait. Les petits yeux là qui sortent. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? I don't know, dude. Ça, ok. Alors du coup, ça... Et je vais équiper les bombes sur, je sais pas, Y. Voyons ce que ça donne. Ok, d'accord, c'est juste qu'on a libéré le passage, en fait. Ok. Du coup... Ah non, merde! C'est ça le problème, c'est que on n'a pas assez de trucs. Pouf, pouf, pouf. Je fais quoi? Je prends la clé. Et on a du coup un coquillage. Mais je sais toujours pas à quoi ça sert. Tadam. Il y avait un style Zelda 2D qui était génial sur PS3. C'est 3D Dot Game Heroes. Ok. Je connais pas. Ok, donc ça c'est fait, donc on fait quoi? On essaie de retourner sur la plaine. Le problème c'est que l'entrée au château elle est bloquée de partout, je vois pas par où passer. Et là on peut pas passer comme ça. Attends. Ah, j'y suis même peut-être pas encore allée. Hein. Mais si en fait. Ah mais si on peut y aller. Ah oh, mais quel enfer. Je t'en étais même pas rendu compte. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, je vais visiter cette partie sur le côté. Non, je refuse de lire les panneaux, c'est les connards qui font ça. Je rigole. Tout cela n'est que humour. Ah, là, il y a un truc. Ah ah! Un nouveau téléport. Et un coquillage. Point, 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 point. À quoi peut-il bien servir? Si seulement je savais. Et alors attends, il y a un autre truc sur la droite, je vais y aller. Mais arrêtez de me dire quoi faire, c'est fou ça! Tiens, aïe aïe aïe. Kiki le singe! Kiki a faim. Et j'ai rien dans mon inventaire à lui filer? Tu veux pas une pelle? Une pelle pour le petit-déj là, non? Petit con. Quelle horreur! J'aime pas les araignées. Même si théoriquement, quatre pattes. Je crois que j'étais pas encore allée ici. Attends. Si, c'est l'endroit avec le. C'est l'endroit avec l'eau, c'est ça?
Je crois que c'est ça. Donc là, du coup, je peux mettre une balise avec un cœur. Et là, je peux toujours pas passer. Ok, donc on l'a maintenant qu'on a visité cette partie-là. On remonte. Pouf. Fragment de puissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Hein? Maison au coquillage. Ah ouais. J'attendais celui qui se dresserait contre les forces des ténèbres. Rassemble les coquillages dissimulés. Apporte-les, monte sur le piédestal. Ah. Plein de coquillages à monter sur le piédestal. Bah là j'en ai 4. Ah ouais, ok. Quoi, c'est tout? Bah, j'en ai quand même trouvé 4, quoi. Et on a un petit slot. Enfin non, juste un fragment. Oh, ils auraient pu me filer un slot. C'est pas cool. C'est tout? Et là, j'en ai 5, là. Ok. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Attends, je réessaye quand même. Pas de réponse. Ah ouais, non mais attends, pour remplir le truc, c'est quoi? Il y a 200 coquillages à récupérer ou quoi? Parce que là j'en avais 5 et j'avais que le premier cran. Ok. Maintenant, allons au château. Ah non! Nose. Attendez, il y a des escaliers là. Faudrait l'échelle. Château cannulé. On peut pas y passer. Il y a peut-être un passage là. Ah, ou tout là-haut. Ah oui, c'est vrai que j'avais unlocké ça. Ah, mais regardez, il y avait une pierre que je ne pouvais point enlever avant. Ah bah alors, attends, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Quelle lunette? Bah oui, c'est ça, oui. Alors, du coup, il faut que je refasse tout le tour. Les points de sauvegarde, ils sont notés. Les points de téléport, ah non, ils sont pas notés. Hein. Ça devient le bordel. Ok. Petite baffe, petite baffe. Qu'est-ce que je peux faire? Non, là, on peut pas passer. Ah, il y a un hibou là. Je l'avais déjà fait ce hibou. Comment on fait pour y aller? Oui, c'est vrai, j'ai trouvé le château. Ce qui n'était pas forcément une chose évidente. Faudrait que je mette un point sur la carte à l'endroit où il y a les TP. Parce que du coup, j'en sais foutrement rien. Mais attends, il y avait le passage là. Ok. Je fais quoi? On essaie de repasser par le haut là? Ouais. Ah bah si, c'est ça.
Mais non, bon, il me faudrait un TP vers le haut, là. Et il n'y en a point. Alors, attends, je vais prendre... ça. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y avait le passage cimetière. Cimetière pour aller au nord, peut-être. Remarque, non. C'est quoi ça? Ça, c'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi ils sont. Ils sont positionnés comme ça. Qu'est-ce qu'on avait ici? Hein, c'est qui ça? Monique, je suis Monique la lunatique. Mon secret te remettra en forme. Mon secret coûte 42 rubis. Mais c'est quoi? C'est juste un soin? Vas-y, essayons. Je viens d'appliquer mon baume secret sur toi. Il agira si tu perds tous tes cœurs. Reviens quand tu veux. Ah, c'est une espèce de continu en fait, c'est ça? Il y en a chez les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de passer comme ça. Ça, c'est la caverne d'Igor. On était passé hier. Ah, parfait. D'accord, donc c'est quand t'as des pierres. Alright. Ça va tout de suite être moins chiant une fois qu'on aura des téléports ici et là. C'est long, Jelus. Ah, tu le speedrunnais toi ce jeu? Ah ouais, d'accord. Ah, je pense que c'est un grand classique. Hein. Tiens, on n'est pas encore allé là. Je crois que la chouette arrive. Salut Enavil. Poisson rêve, sommeil dans l'œuf, là-haut. Il se réveillera si tu, si tu te tiens face à l'œuf et que tu joues des 8 instruments. Ah ouais. Le mont Tamaranche. Ah ouais. Donc c'est là qu'il faudra finir le truc. Ok. Très bien. Avec la musique qui s'arrête et juste le bruit du vent, c'est sympa. Ok. Là, c'est pour aller ici. Est-ce que j'étais allée là? Non, je crois pas. Hein. La cordillère Tartare. La balade du poisson lune. Ouais, c'est ça, ouais. What? Ouais. Le truc, c'est que... ouais, c'était limite, mais c'est bon. Ça serait pas mal de récupérer le slot. Ah ouais, mais non, je peux pas l'atteindre. Fuck. Plus loin. Ça, ça... ah merde, il y avait un rubis. Ah ouais, mais ça, je peux rien faire. Ça donne envie de drop la Switch. Qu'est-ce que t'appelles drop? D'acheter la Switch, tu veux dire?
Bah en soi, la Switch est une console intéressante. Hein. Avec certes beaucoup de ressorties, de remakes et tout, comme l'était un peu la PS Vita à l'époque. Mais t'as quand même... T'as quand même des trucs qui commencent à être sympas. Hein. Je veux dire, rien que pour Octopass et Astral Chain, plus toutes les licences habituelles de Nintendo, c'est quand même pas mal. Quoi. Là, ils sortent des Touch Up aussi maintenant. C'est cool, quoi. Salut Apollonide, pardon. Je me suis chopé la PS4 il y a un mois, oui. Ah d'accord. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises consoles. Ah, il y a des consoles qui sont plus ou moins intéressantes en fonction de ce que t'aimes, forcément. Est-ce que je peux mettre une bombe là-dessus? Je pense pas. Bon, il faut que je trouve un moyen de passer ces trucs-là. Foncer dedans. Ouais, mais bon, la Jaguar, c'est des consoles très très particulières qui n'ont pas duré très longtemps. Accessoirement, j'ai déjà joué sur Jaguar, mais je crois que je n'ai jamais joué sur CDI. Il me semble pas. Les PC Engine, je crois que je les ai presque toutes testées. Ah, t'en as une toi, Captain? Cool ça. What? Excuse me, princess. Ça venait d'où ce truc déjà? C'était Smosh, c'est ça? Je crois que c'était Smosh TV qui avait fait une vidéo très marrante là-dessus. What? Excuse me, princess. Ah merde, il y avait un cœur. Je suis sûr qu'il y a un truc là. Pas du tout. Là, je suis sûr qu'il y a un truc. Pas du tout. Tu l'as changé contre une Game Gear à moitié pété? Ah ouais? Alors les Game Gear sont réparables. Hein. Après, ça dépend du problème qu'il y a, mais... Certains types de problèmes sont réparables sans trop de difficultés. Il y a pas mal de tutos qui existent. Game Gear d'ailleurs qui était une très très bonne console. Hein. Je suis très fan de la Game Gear. Ah, il y a un TP. Nice! Ok, c'est bien là, on commence à avoir des TP un peu partout. Ça va être un petit peu moins boring. Moche ce truc. Ok, donc là on pourra passer ici. Ah! Un gland de défense, il réduit une outil à l'indicateur. Ok. Ah, du coup, ça annule le power-up que j'avais, je pense. Ah, mais là, je peux rien faire là. Si je saute, je vais me. Combien j'ai fait de donjons? Je ne sais pas. 2, je crois. En fait, je suis rentrée dans plein de donjons où je pouvais pas avancer parce que j'avais pas le pouvoir adéquat. Là, concrètement, je peux rien faire de plus. Hein. Ah si, je peux descendre ici. On va faire ça. Ah non! Si je descends, je vais mourir là. J'ai pied ou j'ai pas pied? Pied, papier.
Pierre, feuille, ciseaux. À mon avis, j'ai papier ici. Ah. Moi, j'aurais testé. Et ça, c'est quoi la serrure là? Serrure poisson. Ok, je ne sais pas ce que je peux faire. Ici c'est bloqué. Je peux mettre un. Une balise comme ça, je sais pas. Parce que dans mes souvenirs. Des feuilles d'or au château, mais on peut pas rentrer dans le château. La prairie t'attend, bon. Marais, une nouvelle voie s'ouvrira à toi dans le marais fleuri. Qu'est-ce que je peux faire avec ce château? Ce qu'il faudrait, ce serait pouvoir nager. Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de. T'es passé devant un PNJ qui t'a donné un indice. Ah, mais j'ai déjà oublié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Point, point. Le TP, il est où? C'est con qu'ils apparaissent pas comme ça. Attends, je vais mettre un marqueur sur chaque TP. Je vais mettre un rond. J'en avais mis un. TP, TP. Ici. Ça. Et les autres, je ne sais pas où ils sont. Serrer la pince à un PNJ. C'est ça que j'ai eu tout à l'heure comme indice. Il va te demander les fameuses feuilles d'or. Bah, je vais aller ici, mais. Ah, pas de spoil. Alors attends, maintenant que je sais qu'il y a un TP ici, je vais mettre une balise. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, ça c'est les coquillages, ok. Donc je redescends pour aller au château. Ok. 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 Oh merde celui-là! Qu'est-ce qu'il y avait par ici? Attends, là il y a un panneau, disons-le, pour une fois. Ouais, ok. Oh, mais Pépé il a jamais d'indice. Il est où? Il est là, Pépé? On peut y aller, hein, mais. Il est un peu ghetto, Pépé. Je veux pas le vexer, bien sûr. Hein. Ce mec est un peu ghetto. Alors. Ah! Le soldat caché dans la salle la plus reculée du château. Oui, mais comment on fait pour rentrer dans le château? C'est ça que j'aimerais bien savoir.
soldat qui se prend sur une... qui se prend pour une taupe. Tu en trouveras une quand tu te seras débarrassé de tous les ennemis dans la première salle du château. Ah, mais mais comment on fait pour rentrer dans ce château de ces morts? Tout ça, j'ai exploré. Là, on peut pas nager, donc on peut pas passer. À part me balader un petit peu partout pour essayer de trouver des gens. Au début du stream, ah mais je suis pas attentif. Là, je pense que à un gros burger là. El famoso burger de lendemain cuite. Ça, j'y suis jamais allé. Si, j'y suis allé, mais j'arrivais pas à passer dedans. Faire le tour pour retourner là-dedans. Putain, si seulement il y avait un bouton pour courir. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Attends. Mais regardez, il y a un mur fissuré. Vite, utilisons une bomba. Et voyons ce que... Mais, qu'est-ce que... Pardon? Oui? Allô? Ok. J'étais concentré sur les araignées, là. À quoi ça sert? Ah, ça, j'y suis jamais allé, ça. Ça là. Attends. Ah merde! Il y a Anguille sous roche là. Pourquoi ils auraient mis ça? Rocher marqué, ouais bah oui pour le coup. C'est longtemps que j'ai pas entendu ça dans le chat. Rocher marqué! Mais où ça? C'est pas possible, je l'aurais vu. Donc là on est ici. Et donc, du coup, on peut aller voir la chouette. Alors, tout près d'ici dort un secret. Quoi, c'est tout? Oh, come on! Faut creuser un max, peut-être. Attends, là. Pas du tout. Ok. Ok. Ok.
Je vais ratisser toute la zone. Ah ah! Tiens. Ok. J'étais parti pour me faire toute la zone là. Ok, donc maintenant que c'est fait, bon, on se casse. Hein. Bon, moi, on aura réussi à aller là-dessus. Que faire dès lors? Ah, en tout, il y en a 20, d'accord. Salut Carl Delta. Y'a pas un autre truc là? Non. J'ai envie de m'acheter un ordinateur portable. Est-ce que je conseille Apple? Bonne question. Moi j'utilisais des ordinateurs Apple jusqu'à il y a 3 ans à peu près. J'en ai toujours été très satisfaite. Et je t'avoue que j'ai absolument pas suivi l'avancée des technologies, les nouveaux iMac, les nouveaux MacBook et tout. Donc je serais incapable de te dire en fait. Je suis plus une personne. À fut un temps, j'étais assez calée en produits Apple. Ça fait un moment que c'est plus le cas. Donc je peux pas trop t'aider en fait. Ce que j'ai l'impression, c'est que les produits sont toujours bons, mais les prix deviennent vraiment démesurés quoi. Après, à toi de voir hein. Oh putain. Oh, je suis éclatée et j'ai rendez-vous à 20h avec Geep. Et on va encore se foutre une caisse très probablement. Tu es des bonnes. Parle nouveau aux gens du village. Ouais mais le truc c'est que j'ai pas de téléport pour aller au village. C'est super chiant d'y retourner. Et là, il y a toute cette zone-là que j'avais pas encore fait, là. Pourquoi je peux pas y aller, ici? Là, pourquoi je peux pas y aller? C'est fou, ça. Je crois qu'il y a un truc qui bloquait. Ah si, il y a ça. Ouais, ça me rapproche. Donc j'avais dit que je mettrais une balise ronde. Attends, c'est absolument pas là que je veux aller. Si, c'est ça. Je sais pas pourquoi je suis jamais passée par là en fait. Ouais, mais il y a une souche. Eh, c'est ça, je me souvenais bien qu'on était bloqué. Ah, mais on est de l'autre côté. Ah, ok. Oui, si, mais c'est là où je suis allée en tout début de stream. J'étais tombée dans le trou même, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu voulais toi déjà? Yo. Hi. Ouais, bon, qu'est-ce que... Je suis à deux doigts de sortir la musique anti-Burst Arcade. Hein. Salut T-Burst. T-Burst AFK. Les bleus c'est 5 hein, c'est ça. Mais non, c'est pas là que je voulais aller.
Il n'y a pas un téléport directement dans le village des mouettes? Non, parce que ça m'aiderait bien. J'ai pas à dire, j'ai rechanté. Et toi, Link 182, est-ce que tu aimes? Ok. Donc la consigne, c'était parler à tous les gens du village. Ok. Super. C'est très intéressant comme discussion. Ok, bon, toi. Quoi, c'est tout ce que t'as à me dire? Putain. Qu'est-ce qu'il y a chez elle? Pépère à mollo, alors. Ah. Il cause que par téléphone, c'est ça? Avec toujours les... Comment dire, les socles sur lesquels on peut poser des trucs, mais je sais pas comment. Elle n'a pas encore été renommée. Je sais pas de quoi tu parles. Faisons une sauvegarde. Salut Pemph. Retour. L'œuf sacré du mont Tamaranche. Bah, enfin, je sais pas, au bout d'un mois, il y a un PNJ qui me dit de reparler à tout le monde parce que les gens ont potentiellement des indices, mais au final, personne n'a rien à me dire. Je suis un peu déçue. La forme, non. Alors, je suis assez crevée de la nuit passée. Mais tout va bien, je gère. Tu es rentré quelque part, mais t'as pas parlé au PNJ? Où ça, là? Y a pas de PNJ. Putain. Ah, les animaux peuvent parler! Lui, il a rien à me dire. Ah ouais, d'accord. Ah! Waf, 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 waf. Ah oui, oui, c'est plutôt intéressant, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça doit être celui qui est dans le garage, du coup. Ah. Je suis un caï-caï. Ouais, ouais, mais je l'avais déjà eu ce truc, les accessoires à la mode. Il y avait le renard là, sinon. Ouif, ouif, ouif. Ok, bon, toi, t'as quoi à me dire? Ouaf, ouaf, ouaf. Ouif, ouif, ouif aussi. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Oh, oh bah tiens, il a des bananes lui. J'avais à dalle, je cherchais les bananes sur la plage. Si t'en veux, tu devrais aller faire un tour. Ah ah! Un début de réponse. C'est une super
musique. Bon, alors allons sur la plage. Peut-être des trucs qu'on n'a pas encore visités. Ah, j'ai parlé à tout le monde, humains et animaux. Alors. Est-ce que j'étais allée ici? Ah, il y a peut-être un passage là, attends. Ah, il y a une seule maison que j'ai pas faite. Et tu vas me dire que c'est cette maison-là qu'il fallait faire, c'est ça? Ça, c'est exactement le type de mécanique pour lequel j'avais abandonné Zelda 3 à l'époque. Alors, celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Je vais juste pas aller ici. C'est ça, ça va être ici. Bah oui, mais ça, c'est déjà ce que je fais, ça. Oh, putain. Si, après, il y a la... Il y a la maison... Il y a cette maison-là, là. Ah, mais c'est 10 rubis. Ah, je croyais que c'était 100. Ok. Ok. Oh, come on! Bien sûr. Non mais Luffy, en fait, depuis le début du jeu, je sais très bien qu'il est là. Et je fais exprès de pas y retourner parce que je suis persuadée que c'est 100 balles la partie. Ah, je suis en plein dessus, là. Ah ah. Oh. Oh, putain. Ah, c'est aussi chiant que dans la vraie vie. Ok. Yes! C'est bon. On va faire notre essai, hein, donc on y est. Bam, 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 bam. Ice. Ok. Je sais pas si ça passe. L'objet est petit, donc pourquoi pas. Ouais, si, c'est bon. Et c'est quoi la trousse, là, qu'il y a là? Ouais. Ah. Oh, elle roule. Oh bah ça alors. Très bien. Bien sûr. Thank you.
Non. Si, c'est bon. Moi je te rafle tout, hein. Le bouclier, ça sert à rien, j'en ai déjà. On essaye quand même de l'avoir pour le sport. Ok. Nice. Le timing est assez facile à appréhender en fait. Et voilà. En fait, le Yoshi, j'ai eu du mal, le reste c'était cool. J'ai tout raflé, ouais. Ça c'est combien ça? 50, ah oui. Ou ça rembourse une partie de mes parties. Tchoum, 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 tchoum. Mais ça c'est quoi, de la poudre, hein, ça? C'est de la poudre de perlin, papa. Ok. Ensuite, merci. Ah mais ce n'est une peluche de Yoshi. Ah, vous êtes trop fort, hein, monsieur. Maman, maman. Ah non, la chance. Moi, maman, on voulait vraiment une. Ouais, je vais m'occuper de ta maman plus tard, mais... Ah, un coquillage! Ouais, mais là, les parties vont être plus chères, je suppose. Ah non? Pas tant que ça, en fait. Très bien. Ok. Ok. Salut, Captain. Un petit peu trop sur le côté. Ah non, c'est bon. Le rubis rouge, c'est combien? Je sais pas du tout. C'est 20? Ok. Yashai. Tomber de la pince. Ah oh ouais, mais ça c'est l'escroquerie, ça. Ça c'est l'escroquerie, ça. Avec la petite secousse. Ah oh, non, mais c'est pas possible. Ça risque d'être très très loin à ce stade. Le pire, c'est qu'à chaque fois, la pince se ferme bien. Ah! Ah, come on! Bien sûr, je dépense tout. D'avoir ça, ça va être plus simple. Ou pas, parce que vu que c'est circulaire, je sais pas. Ok. Ça, c'est good. Ah, c'est vraiment ce truc là qui est chiant. Là. Chaque fois, je suis dessus. Hein. Chaque fois, je suis dessus, mais c'est. Ah, il va tomber sur la droite, là, c'est cramé. Ah, c'est bon. Nice. Ah, mais si je récupère les autres items... Du coup, il y a tout qui va respawner, non? C'est pas ça? Une caille-caille. Ah, qu'il faut mettre dans la maison de Mrs. je sais pas quoi là. Mrs. Robinson. Très bien.
Vas-y, on va essayer de le dépouiller. Ok. Nice. Si seulement c'était aussi facile dans la vraie vie. Ça passe. Ouais. Blam ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Bah c'est pas grave, ça sert à rien. C'est juste pour le plaisir de réussir à avoir tous les lots. Bah oui, forcément, tant que ça tombe pas de la pince une fois que c'est grabé. Nice! Bon, bah voilà. Hein. On a dépouillé une deuxième fois. Je vais retourner une troisième fois dedans pour voir à quoi ressemble un respawn. C'est quoi le truc là-bas? Oh merde, attends. Attention. Mais what the fuck? Mais what the fuck, Captain Button? J'étais tellement concentré sur mon truc. Merci énormément pour tes 10 subgifts. Mais what? Merci énormément, Captain Button. That's crazy. C'est ma contribution au day event. Je te remercie. Effectivement. Le supplice de que ça se passe à côté de chez moi et que j'y sois pas pour la quatrième année est assez intense, pour tout vous dire. Je remercie beaucoup ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui participent dans le chat, et merci Captain pour le soutien. T'as offert un sub du coup à Antonin, Blinky Green, Fraude Fiscale, Monsieur Luxon, Raptor 117, Gavroche, ainsi que Mister Coconut, Bédivez, Pondarcin et Azimo. Merci énormément. J'étais pas sur le live et je viens de voir la notif. Ah bah regarde, tu vois, Raptor, pouf, t'arrives et t'as un sub. Choqué de voir la tête de MV, c'est officiellement un vieux monsieur. Ouais, ouais, mais ça lui va bien en plus. Hein. Ça lui va bien, je trouve. Je te remercie beaucoup pour le soutien, Captain. Un autre essai? Non, c'est bon. Hein. On s'arrête là. Le cœur énorme là, c'est pas un slot. Je crois pas. Hein. Oui, c'est ça, ça rend les PV. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Donc, ceci étant fait. Ah oui, alors attends, on va commencer par le gamin. Ah mais il faut aller voir sa mère, c'est ça. Au nord du village, la maison qui a une double porte d'entrée, c'est laquelle? Ouais, c'est celle qui est là. Et si tu cherchais derrière la maison? Mais comment ça? Mais arrêtez de me donner des indices aussi flagrants! Mais c'est pas possible! Ah non, la dernière maison! Ouais, non, mais je. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est toujours sur discussion. Comment ça? Merci Hippocrate pour le Prime. Putain, on est toujours en just chatting, personne me l'a dit, mais j'hallucine! Oh, come on! Alors. Allons voir maman ours. Cette peluche, mais oui, bien sûr.
Tu es un gentil garçon, je te donne ceci. Un nœud papillon. Ensuite, vous le troquerez-vous contre... Mais quoi? Mais non. Mais what? Merci Face No More pour tes 20 subs. Avec 20 subgifts supplémentaires. Ce qui est bien, c'est que mon alerte pour les 20 subgifts, elle est quand même extrêmement sobre. Et... Je vous remercie énormément pour ça, d'autant que là, aujourd'hui, enfin, tout le week-end, en fait, je fais des streams qui sont très courts. Je vous remercie énormément pour ça. Salut un télo. Il y a un télo dans le chat. Svext. Ah bon? Ah mais oui, il a eu un sub-gift. Alors, du coup, un télo, te voilà sub à ma chaîne. Malgré toi, merci donc au sub offert. Alex GP, Yann 59, Benafil 49, Final Redou, Ziltoid 69, ouais. Ariamist, Poulpe Fluo, Blood Sunshine, Warwick 84, MK Pictures. The Fuligi, Swat Pinkett, Sacramous, El Geeko, Yugij, Johan, Léopold Stoch, 29. Léopold Stoch, c'est le nom de Butters dans South Park, si je ne me trompe pas. Attends, Léopold Stoch? Mais si, je crois que c'est ça en plus. Floppy 14, Yulinou et The Black Lodge. Merci à vous tous. Merci également à Raptor 117 qui renouvelle son subgift. Offert qu'à peut-être Carten Bleuten, pardon. Dame, dame, tu sais si les dons bits comptent en tant que dons pour le Z-Event? Alors ça, il faut demander directement aux principaux concernés. Moi, je suis absolument pas au courant de l'organisation, étant donné que je n'en fais pas partie. Mais je pense que si tu leur poses la question, ils seront ravis de te répondre, a priori. Vous voyez que c'est un bait à subgift, cet animal. Ouais, bah après, c'est quand même pas donné, si je puis dire. Je te remercie énormément. T'es où dans le chat? Je te vois même pas, Face No More. Face No More, Face No More. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je n'arrive pas à voir. Merci beaucoup, Sig25, pour les 100 bits. Qui, du coup, à mon avis, n'iront pas du tout au Z-Event. Tu viens d'arriver. Ça marche. Je vous remercie énormément pour le soutien. Vraiment, merci. Merci énormément pour ça. Très bien. Back to the game. Back to the game. Ça y est, j'ai la musique en plus. Bon, du coup, on a récupéré un ruban. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bouh. Et ça, c'est écrit Mascasse. Alors. Donc maintenant, on avait aussi récupéré la peluche du truc qu'il faudrait mettre dans le garage. La peluche du truc. C'était pas ça? Ah, si, il est branché, du coup, il va mettre un ruban. Ah, merci Apulia. Merci beaucoup Apulia pour le Dam-Dam Event. Ouais, alors je sais pas, mais bon. Oh, je fais des streams, quoi, normal. Une année de sub entière, félicitations pour tes streams, toujours super sympa. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Ça rassure mon petit cœur. Voici ma pâtée, comme ça. 46% pur bœuf, ok. Ok, pourquoi pas. Putain, j'ai faim. J'ai faim. Ça c'est fait, et puis il y avait aussi l'autre peluche.
Un toutou. Eh ben, j'ai une peluche de toutou dessus. J'en ai une dans mon inventaire, non? Attends, elle est où? Ça. Ah non, c'est un caïcaï. Ah, c'est pas un toutou, c'est un caïcaï. Ah voilà, caïcaï. Oui. Quoi, c'est tout? Ok. C'est la quête FedEx. Ah mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? You're crazy. You're crazy. Mais what the fuck? Merci énormément Gavroche pour tes 10 subgifts offerts à joueurs du VC, Loto Shaitan, Jolex, Kiarn, Ken Snake, Kalish, JNK, Pachenko, Daddy Sucre et Uriji. Merci énormément Gavroche. Mais alors c'est rigolo parce qu'en plus toi ton pseudo finalement, enfin tu postes pas des masses toi dans le chat je pense. Ton pseudo me parle pas plus que ça. Gavroche. Ah oui, non, tu me follow depuis un mois seulement. Oh, bah écoute mec, merci énormément pour le soutien. Enfin vraiment, merci à vous trois. Hein. C'est crazy quoi. Merci énormément Gavroche d'assurer à ce point-là le stream. Qui es-tu Gavroche? Je ne te connais que très peu. Présente-toi dans le chat. Toi qui as l'air assez nouveau dans la communauté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici, on avait essayé d'y aller ou pas? Je crois qu'on pouvait pas passer. Ah si, attends. Merci encore, Stick25, pour les 100 bits. Pour ton taf, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à tous. Hein. C'est ouf. Ouais. Ouais, plage pour les bananes, mais il y avait autre chose que je voulais faire. C'était checker si on peut passer ici. Ah non, parce que là, il y a plusieurs trous. Ah. Il a pas répondu Gavroche du coup. Ça alors. Mystérieux lurker. Ah, elle est quand même cool hein, cette animation pour les 10 gifts. Quand je repense, tu fais trois choses à la fois. Ah d'accord, pas de soucis. Bah je t'en remercie encore en tout cas Gavroche. Je me souviens encore de quand j'avais tourné l'animation, enfin ce gif pour les 10 subgifs là. J'en avais foutu partout dans mon salon. C'était infernal. Ça c'est des bananiers ça. Pourquoi on peut rien faire avec? Là il y a des bananes. Avec une bombe peut-être? On va essayer avec une bombe. Les coups d'animation. Bah, drôle, oui et non, parce que je crois que cette animation où je fais tomber tous les trucs sur ma gueule, là, je crois que je l'ai tournée trois fois en tout. Et j'ai gardé la dernière prise qui était un peu mieux parce que j'étais plus expressive au niveau facial, quoi. Mais ouais, j'en ai foutu partout. Quel enfer. Et c'était un box de goodies PUBG qui m'avait envoyé en plus.
Il y a plein de bananes, mais je sais pas comment faire. Marou, je l'avais enfermé. Je l'avais mis dans le couloir. C'est une boîte de conserve? Ah, il la veut? Ok. Ok. Parfait. Quel délice! Je t'offre des bananes! Ah! Nous avons des bananes. Ça y est! Vous avez le sentiment d'y avoir gagné. Mais sauf que je me souviens absolument plus ce qu'il faut faire avec ça. Attends. Ok. Je voulais creuser un peu, on sait jamais. Des carences en fer. Là, on était allé jusque-là. Hein. Attends, je voudrais retourner voir là-bas pour être sûr qu'il n'y a rien de chelou. Ah putain. Là, il y avait une caverne que j'avais faite. Ah, tiens. Un coffre. Pa 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 pa, 50 rubis. Je l'ai déjà activé celui-là ou pas? C'est chez qui ça? Ah, je suis jamais allée ici. Oh merde! Ok. Aha! Pam 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 pam! Ok. Et ça sert potentiellement pas à autre chose? Je sais pas. Le PNJ intéressé, je sais plus du tout qui c'était. Pour le château, peut-être, ouais, c'est ça? Mmh. Ouais, alors attends, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on retourne à un téléport. Donc là, il y en a un. Tac, 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 tac. Il n'y avait pas un téléport par là aussi que j'avais activé? Si. Ça? Non. Ils sont où le... Oh. Il n'y en a pas tant que ça, des téléports. Ah, c'est chiant, il va falloir faire tout le tour. Oh. Boring. Maison mystérieuse au-dessus de la cabane d'Igor. Ok, on va voir ça. J'ai pas une clé en rab là. Non. Ah si, j'ai une clé en rab. C'est quoi cette clé? Clé flagello. Bah c'est pas pour le truc qui est là. Si, c'est la même tête. Attends. Wait a minute. Oh come on! Mais... Ah non, mais je suis déjà allée ici. Ah, j'ai déjà fait. Très bien. Et là, je peux pas passer au-dessus. Non, effectivement, on ne peut pas. À croire qu'ils ont fait le level design pour qu'on soit obligé de faire des allers-retours et ainsi allonger la durée de vie du titre. Mais ce ne sont là que fabulations.
Bien entendu, c'est impossible qu'ils aient vraiment fait ça. Je voudrais juste un TP en fait. Où sont les TP? Pourquoi il n'y en a pas? Il est jaune celui-là. Ah si, non, d'accord. Ok, I have some banana. Ouais, ceci dit, je fais ça, mais en vrai, c'est pas très bien de jeter. Salut, fraude fiscale, homme. Tu as eu un subwoofer tout à l'heure. Le PNJ aux bananes, je sais plus qui c'était. Attends, souvenir. C'était Richard. Non. Non, lui, il veut des feuilles d'or. Super vite. Ah. Bah, t'en es où? J'en sais rien. Je connais pas la durée de vie de ce jeu, donc. Là, en gros, je viens de récupérer des bananes. Et il faut que j'ai réussi à puiser dans ma mémoire pour me souvenir de qui on voulait. Quoi. Mais j'en ai aucun souvenir. Je suis pas loin là. C'est pas là. Ça peut pas être là. Là, il y avait rien. Là, il y a une cabine téléphonique. Trunks. Ah, pas de spoil, putain, pas de spoil. Tagade con, là, tagade connect, là. Pas de spoil, putain, laisse-moi chercher, c'est fou, ça. Bon, bah voilà, maintenant je sais qu'il faut que j'aille voir un petit chien, un petit singe près du château. Le truc, c'est en plus, quand t'as des spoils comme ça, tu peux même pas faire semblant de pas l'avoir lu, quoi. Ah, super, quoi. Ah ouais, lui, d'accord. Ah putain. Merci fraude fiscale qui renouvelle le subkiff de Captain Bleuden. Personnage de Aïe Aïe Aïe, hein, du coup, dans Super Monkey Ball. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est eux qui fabriquent un pont. Ah! Ok. Le pont de singe. Mais j'ai trouvé un bout de bois. Un bâton? Mais qu'est-ce que. Ok.
Château Canulette, ça y est, on y est. Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a des chevaliers de l'autre côté du mur. Ah ah! Est-ce qu'on peut aller derrière? Pas du tout. Alors attends, voyons si on a des indices à disposition. T'as pas encore trouvé les 5 feuilles? Cela qui est chiant, ça est le plus recuché. Oh non, mais une fois dans le château, je vais fouiller, ça, y a pas de souci. J'avais envie de creuser un peu. Ah, sympa. Ok, donc là ça y est, on est dedans. Ah oh, punaise. Enfin. Ça, ils sont pas si forts. Oh oui, d'accord, c'est le même pattern d'attaque que pour les monstres. Clac, clac. Je trouvais une plume. Qu'est-ce que c'est? Ah, une feuille d'or! Ça y est! J'en ai une! C'est la feuille d'or. Il y en a 5 en tout, hein, c'est ça. Théoriquement, il y en aura une qui s'ouvrira quand on aura buté tous les ennemis de la première salle du château. Ok. C'est aléatoire ou... Je vais buter celui-là. Ok. Combien de fois faut le buter? Ah! Le buter en fait. Si c'est bon. Et c'est la deuxième feuille d'or. Tu te permettras de rouler le chouin d'or. Non mais c'est ça. Quand t'as le mec qui te demande le 5 feuilles là, c'est. Ok. Donc ça c'est pas bien compliqué. Faut que je surveille l'heure quand même. 18h39, non, c'est bon. Voilà. Ok. Ça se pousse ça ou pas? Et du coup, troisième feuille d'or. Il y en a une après dans la dernière salle du château. Et une autre quelque part. Attends.
En le fumant, tu passes dans un autre monde et bim, ça brise le quatrième mur. Tu te retrouves dans Death Stranding. Ah, Death Stranding, j'ai vraiment hâte. Hein. J'ai vraiment hâte. Et c'est marrant parce qu'en plus, Kojima a sorti là que toute la première moitié du jeu, elle serait pas si intéressante que ça. Et du coup, il invite les joueurs à persévérer et à avancer. J'ai vu quelqu'un tweeter en mettant « El Famoso, le jeu devient bien au bout de 50 heures ». Je sens qu'on va péter les plans. non, le casque, oui, c'est un Logitech. J'ai combien normalement, t'as la commande Logitech. Point d'exclamation Logitech. Je crois que c'est le G433, mais je suis pas sûre. Ah non, arrête, MGS5 était cool dès le début. Ah non, non, moi je me suis éclaté de bout en bout sur MGS5. Casque G343, ouais, c'est ça. T'as même les liens affiliés si tu veux. Vous allez donc pouvoir sortir du château sans aucun problème, super. À combien il coûte d'ailleurs mon casque maintenant hein? Sur Amazon. D'occasion 54€. Ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, il est très correct, il est très confortable en fait, moi j'aime beaucoup. Quant à les items craqués, que tu testes les techniques alternatives en émission, ouais. Ouais, ouais non, mais on verra. On va jouer le jeu de toute façon, on va le faire en entier et puis. Et puis on verra bien. Au moins on sait qu'on va pas galérer vu qu'apparemment il y a un mode super facile. C'est bon. Non, puis il a fait une annonce aussi en disant « Ah, c'est vrai que je vous ai surtout montré des trucs un peu troll ces derniers temps, mais en vrai, le ton du jeu est plutôt sérieux. » Du coup, j'ai hâte. Mais ça, c'est pour sortir, ça. Ah ouais, le roi de la com', quoi. Attends. Là, si je fais ça, je ressors. Et là, si je rentre par là... rocher marqué. Pas de rocher marqué, un petit cœur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bombes. Ah non, il fallait envoyer une... J'avais pas vu le logo d'Amphore. J'avais pas vu. Attends, on recommence. Bam, 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 bam. Voilà. Le mec, eh. Ah, je me fais bolos, ça. Wow, ouais, non, je me fais grave bolos, là. Ah, mais j'avais l'option truc. J'avais l'option truc qui me permet de revenir à la vie grâce à la mixture de mémé. Bah, écoute, je l'ai utilisé au meilleur moment qui soit. Ça y est, je peux retourner voir Richard. Incroyable. Ouais, c'est ça le remède de Nick. Nick, Nick, Nick. Alors, du coup... Nicolas, il était où ?
Non, Richard, je veux dire. Richard, il était là... Ah ouais, tout en bas, quoi. Où ça, ici? Oh, il me faut un téléport. Cochon, il me rappelle les cochons dans ton lit. Ton lit qui est un de mes grands regrets de jeu que j'ai revendu d'occasion à l'époque. Il faut savoir que ton lit en version pâle, c'est un des jeux les plus cotés de la machine. Je crois qu'à l'époque, je l'avais revendu pour une misère. Et en fait maintenant, je crois qu'il coûte 150 balles d'occasion, un truc comme ça. Un tombi pâle de complet, je crois que ça cote dans les 150 balles, il me semble. C'est comme le premier Clonoa, pareil, hein, je l'avais eu il y a longtemps, je l'avais revendu. Je le rachetais, c'est moins cher que ça. Clonoa, premier du nom, je crois qu'il se revend, il doit être à 50 balles, un truc comme ça. Laisse tomber, tu dois être deg. Ok. Hein, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Où est-ce qu'il est du coup? Ah ouais, mais non, en fait, il vaut mieux que je prenne le téléport. Tombi 2, je crois, coûte moins cher. Mais le 1, ouais, il est vraiment, vraiment pas donné. Attends, si je fais ça, que je descends. Ouais, c'est ça, il faut aller là. Et du coup, je crois que c'est cette maison. Yes, I. Toutes mes feuilles. Fort bien, déplace cette statue de grenouille. Une surprise t'attend. Une statue de grenouille? Ah oui, celle-là. Oui, d'accord. Je regardais les grenouilles. Ah ah! Un escalier dérobé. Hop. Ok. Un coquillage, ok. Un site d'Argus jeux vidéo, tombi 1 240, tombi 2 122. Putain, 240 pour la... Ouais, mais alors après, l'Argus jeux vidéo. Ah, faut prendre ça avec des pincettes. Mais ça m'étonnerait pas qu'il ait dépassé les 200 balles. Tombi 2 était beaucoup moins bien, par contre. Je suis étonné qu'il cote à ce point-là. Peut-être plus pour sa rareté. C'est surtout tombi 1 qui était très bien. Oh bah les dernières fois que j'avais vu sur eBay, en vente terminée, il partait souvent autour de 150 euros quoi. Oh, putain, 240. Quel enfer. Une pipe à eau? Comment ça? Tombi, tu connais pas? C'était un jeu de plateforme énigme. Avec certaines phases qui étaient avec une vue comme ça justement de haut. Et c'était un jeu qui avait une mécanique très très bien pensée au niveau du game design et du level design. Très labyrinthique au bout d'un moment avec beaucoup de quêtes et de trucs à ramener à des gens et tout. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Et tu incarnais un petit garçon qui a des cheveux roses en pétard là. Et t'avais plein d'ennemis qui étaient des cochons. C'est sur PlayStation, première du nom. Ah, tu t'es renseigné sur Blink 182, effectivement, je connais une de leurs chansons. Ah, bon bah voilà. Une chanson qui était dans Donkey Kong. Ah, Donkey Kong sur N64, c'est possible. Il
Y a pas un petit rocher marqué là, un petit mur fissuré? Non. Je crois pas. Sur GameCube, ouais, ça sert, ouais. Oh putain. Ok. C'est la forêt du prank. Ouais. Ok. Ah. Ok. Il y a un slot. Ah, peut-être on peut passer entre les deux, non? Pas du tout. Si, 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 on peut passer en fait. Ah putain. Faut sauter pile. Mais. Je savais bien qu'on pouvait. Ouais, c'est ça, ouais. Faut vraiment faire un saut très 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 précis. Mais c'est possible. Ah, y'a un hibou. Non, c'est avec tes baskets. Chouette. Rectification, la cote de ton bien à 204 balles, ouais. Ouais, ouais, non, mais finalement, ça m'étonne pas, ouais. Vu qu'il y a quelques années, il était à 150, ouais. Oh, 200 balles pour un jeu PS1. Ça fait mal, quand même. Qu'est-ce qu'il me dit? Sous tes pieds dort un secret. Ok. Aha! La clé cyclope. Rendez-vous à l'entrée de la prairie Ukugu. Alors attends. Prairie Ukugu. Ah ouais, ici. Juste à côté en fait. Does make sense. Yes, I. Ouais, la quête sur les bananes, là, c'était un peu chiant, j'ai trouvé. On peut pas passer, hein? Putain, comment il faut faire pour passer? Oh, oh là là, faut faire tout le tour, mais par où? Attends. Pam, pam. Par là. Ah oui, non, parce qu'il a remis le truc. Attends. Je peux faire le tour là, hein, c'est ça. Il faudra encore qu'on apprenne à nager. Bam, bam, bam. La mécanique du troc est pas évidente à découvrir. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Point. Ça y est, on y est. Et on sauvegarde. J'aurais bien fait une petite pause. Ouais, d'un autre côté. Oh, attendez, je vais faire juste 3 minutes de pause pour m'étirer les jambes avant de faire le donjon.
Je reviens de suite. Je vais prendre un truc à boire aussi. J'arrive.
Allez, de retour. De retour pour une petite, petite demi-heure supplémentaire. On va essayer de se faire ce donjon, du coup. Rigolote, cette musique, hein. J'aime bien. Pim, 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 pim. Ok. Alors. Ligne 182, putain. Oui, c'était sympa. Oui, non, j'ai juste trouvé un petit peu pénible. Pardon. Un petit peu pénible la quête là, de la banane, parce que je comprenais pas trop où faut aller. Mais je pense que si j'avais joué un peu plus longtemps hier, peut-être que je me serais plus retrouvée dans l'univers. Mais ah ouais, c'est très sympa. Ouais. J'ai les mêmes types de fils de toute façon qu'avec Cadence of Hyrule, qui avait le même type de design. Ça se pousse ça ou pas? Pas du tout. Trouver l'entrée, faire le donjon. Ouais, ouais. Ok, alors. On a ça, fait voir, ok. On me file des bombes, donc potentiellement des trucs à exploser. Ok. Oh putain! Ok. C'est drôle ça. C'est rigolo comme ennemi ça. Trouver l'entrée des fois doit être plus compliqué que... Alors, une petite clé. Une. Ok, ça c'est good. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye par là. Voilà. Ah, c'est un prank! Ah, j'hallucine, c'est un prank. Ça se pousse ça ou pas? Oh ouais, mais ça servira à rien. D'accord. Ok. Là non plus. C'est étonnant comme level design ça. Ok. Fuck, fuck, fuck. Avant de passer ici, j'aurais dû continuer à voir ce qu'il y avait à l'étage. What? Pas. L'exploser comme ça. Ok. Petite clé supplémentaire, ok. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ok. Pas de mur fissuré. Ok, on va se faire celle-ci. Point, 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 point. Ça se prend ça, ces tonneaux ou pas? Ok, et ça on retourne à la surface. À quel endroit? Ici.
C'est de là où je suis venue, ça. Ah non, d'accord, c'était la porte à côté. Ok. Blam, blam. Vraiment de puissance, super. Oh, come on. Il faudrait une clé. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que... ça va être merde, c'est comme dans Isaac. Ah, c'est quoi cette musique? Ah ouais, mais sans bombe, tu fais comment? Ah oui, tu repasses par là, d'accord. Ok. Et un coffre qui apparaît à la surface. Ouais, j'ai plus de bombe, ouais. J'aurais pu en acheter plus avant de passer ici, mais... Ah bah tiens, 10 bombes. Ah, pas mal, pas mal. Comme ça, ok. La statue sans bec vous perd. Ah oui, c'est vrai, mais on comprend pas. Donc maintenant qu'on repasse ici, on peut prendre le coffre. 50 balles. Fifty shades of ball. Ok. Retentons. Ah non. Qu'est-ce qui fait... Alors attends, qu'est-ce qui fait que des fois ils en ont envie et des fois pas? Ouais, faut attendre. Une fois qu'ils ont explosé, faut attendre un peu. Merde. Ouais, c'est ça. Là, ils ont la bouche fermée, voilà. Là, il a remis la bouche. Ok. Ok. C'est fun. Petit relan d'Isaac. C'est sympa. Ça marche pas? Ah oui, d'accord. On est d'accord que c'est censé marcher quand on se met dessus, non? Voilà. Alors attends, il y a la partie droite que j'avais pas vue. Qu'est-ce que... Ouais, ouais, le jeu lag, ouais. Ouais. C'est un des problèmes du jeu. Il y a clairement des ralentissements, ouais. Ce qui est étonnant parce que le jeu est quand même pas très gourmand d'un point de vue ressources. Mais ouais, ça vient pas du stream, hein, ça vient vraiment du jeu. C'est étonnant qu'un jeu comme ça quand même lag. Mmh.
boîte de Pégase. Foncez avec elle. Yes. Ah. Yes. Où est ça? Oui, d'accord, et là on est de retour ici. Le bruitage est cool. Alors il y a une flèche qui dit vers le bas. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut bomber ici? Totalement. Et il y a une autre bombe à poser ici. Pac. Fuck. On se calme. Bloup, bloup. Ah, on peut pas le pousser, ça. Ok, c'est un raccourci, en fait. Ça se pousse pas dans le vide, ça. Ah, le fameux nouveau modèle de Switch. Ah, tu crois? Ah, ça serait étonnant, quand même, non? Je sais pas du tout. Bam, 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 bam. Ok, alors. Donc maintenant, je pourrais retourner. Le téléport, il était où? Ça, c'est ça. Oh putain. Les ralentissements sont quand même présents sur la version non dockée. Tu veux dire en mode portable? C'est ça? Ouais. Bah, de toute façon, à mon avis, si c'est docké, enfin, si ça rame en docké, je vois pas pourquoi ça ramerait pas en. Ah, si, parce que la résolution est moins élevée. Ah, ouais, ouais, d'accord. Ouais, mais ouais, ouais, c'est vrai que. Je sais pas. Ah, tu joues que en portable toi, JP? Putain, c'est marrant. Moi, je joue jamais. Je joue jamais, jamais, jamais en portable. Ton écran télé est pas hyper grand. Ah ouais? Bah, il fait combien? Parce que moi, je joue sur un 27 pouces. Hein. Vous avez un portable pour lire les textes. Ah ouais, d'accord. Donc ça et le passage à gauche. Cœur et la petite clé. Right, right, right. Ça, les donjons sont quand même relativement logiques. Pas trop frustrants, ça va quoi. Et par exemple, tu vois, JP, tu sais, quand des fois je mets la caméra où on voit mes écrans, là, selon toi, c'est à peu près aussi grand, plus grand? Ah ouais, mais là c'est pareil, je peux pas passer là. Ok, alors. Ah oui, c'est ça, il faut retourner en bas. Ici. Fuck.
plus grande que tes bras quand on est assis dans la cave. Ah ouais, ça dépend là. Oui, effectivement, ça dépend de la distance. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, je joue à 1 mètre de mon écran, donc ça va, quoi. Ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Alright. Une autre petite clé. Ça, je vais l'activer. Là, j'ai pas le bec. Dernier passage, dernier du passage de 4. Ouais. Je vois pas trop à quoi ça me servirait. C'est plutôt un coup à mourir très vite. Alors que faire ? Ah si, ça là, c'est ça. Ah ouais, mais il me faut des clés pour ça. Oh. À chaque fois, ils m'ont. Hein. Je sais pas comment ils font. Hein. Clac, 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 clac. Trou de serrure. À droite, il y avait un passage à droite là. Pourquoi je l'ai pas pris celui-là? Attends. Passage ici, là, j'y suis pas allée en fait. Ah bah ouais, non, j'y suis pas allée à ce truc. Petite clé. Ah non, boussole. Ok. Ba, 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 ba. Et il est bientôt 19h20. Ouais, ça veut dire que je vais dropper sous peu. Drop de bombe. Ah, le... Ah, il est là, le monstre. Au sous-sol. Mais comment on fait pour y aller? Là, concrètement, j'ai tout récupéré. Qu'est-ce qui me manque, en fait? Ah! Alors, attends. Ouais, mais ça, j'y suis déjà allée. Ah oui, voilà, c'est le passage qui est là. Mais comment faire pour passer? Parce que ma ruée, elle va pas non plus me permettre de... On peut pas pousser. Non. À trouver supplémentaire. Parce qu'il faut tout péter. Attends. Après, je peux utiliser ma bombe. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme item? La pelle.
Ah, pour construire le pont, peut-être? Ah non, c'est pas ça. On teste. Ça valait le coup de tester. Ah! On peut faire des longs jumps! Ah oui, d'accord, on pouvait faire des longs jumps. Ah ouais, mais je savais pas, moi. Ah oui, d'accord. Ok. Et là, pourquoi il saute pas en fait? C'est quoi le truc? Ok. Et on a la clé du boss. Ok. Ça. Ah! Ok. Et du coup, clé de boss, utile pour ça ou pas? Pas du tout. Ah! Et il est 19h22. Du coup... Oh putain, je suis tellement fatiguée. Bon bah du coup moi je vais arrêter là pour aujourd'hui, je vais sauvegarder ici. Je vous avais prévenu hein, que c'était un stream assez court. Très sympa en tout cas, j'aime bien la progression dans ce donjon là. Même si là je vois pas du tout finalement où aller. Peut-être pour ça. Ah mais si, il y avait les pics aussi que j'ai oublié de faire. Enfin les poteaux que j'avais descendus, j'ai oublié d'y retourner. Donc ça, je vais pouvoir le prendre, et c'est de là aussi. Après, pour le reste, je ne sais pas où ça sera. Anyway, écoutez, merci d'avoir suivi ce petit stream. Je vous donne rendez-vous demain, mais je ne sais pas à quelle heure, parce que demain soir, ça va être la foire à la saucisse sur Twitch. Peut-être même que je vais avoir des trucs à faire. En fait, je suis pas sûre à 100% de streamer demain. En tous les cas, lundi, ça c'est sûr. Demain, c'est pas sûr. En fait, ça va dépendre un peu des gens que je vais rencontrer ce soir. Donc on va voir. Voilà. Moi, j'ai rien de spécial à dire de plus. C'était un court stream. Merci énormément pour le soutien de certains d'entre vous. Un petit peu de musique au passage. On se fait un